Aujourd'hui, j'avais envie, au travers de ce programme donc, qui s'appelle Shut Up and Dance, de chercher à la fois cette espèce de connexion avec la danse, le rythme, pas la danse au sens chorégraphique, mais la danse au sens d'un mouvement, de quelque chose qui emmène l'auditeur dans une espèce de pulsation un peu proche d'une certaine forme de transe. Et je me suis demandé avec qui j'allais pouvoir monter ce programme. Last year, I was listening to the radio and they played the Robert Wyatt CD. I loved it and I started looking on the internet to see who this band was. Then I saw Daniel's name. I emailed him. Avec John Hollenbeck, on a réfléchi beaucoup à savoir comment traduire des mouvements en musique. On imaginait des mouvements physiques que pouvaient faire des gens, des danseurs, quelqu'un qui tremble, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui danse, etc. Et on essayait de créer ça nous donnait un peu des impulsions pour la composition des thèmes qui constituent ce projet. When I thought about them, I thought of a certain movement that someone could make with their body. So there's a piece called the Shaking Piece, which started with me thinking about someone just shaking their whole body. Janvier 2009, en fait, j'ai imaginé trois programmes pour l'orchestre. Un autour de Robert Wyatt, un autre autour d'hommage à Billie Holiday et un autre qui est une mise en musique d'un film muet. Donc c'était des programmes qui se basaient sur un sujet spécifique. Aujourd'hui, j'ai voulu que soit mis en avant chacun des membres de l'orchestre sous forme de mini-concerto qui ont été écrits spécifiquement pour eux. Each piece features one person in the band. So there would be 10 pieces and each piece would be different, you know, have some sort of different feeling to it, a groove. So I tried to find out as much as I could about each person and what they like and what they don't like, how they might like to be featured. On a réfléchi à la fois à ce qui pouvait leur aller le mieux, mais ce qui pouvait aussi leur donner un challenge. C'est-à-dire que dans chaque morceau, il y a un élément de dépassement de soi et de dépassement de l'orchestre aussi. C'était aussi d'exploiter toutes les cartouches de chacun des musiciens, à savoir différents instruments, des instruments bizarres. Il y a un des musiciens de l'orchestre qui fabrique tous les soirs des choses avec ses fers à souder, ses boucles de ferraille, ses composants électroniques. And they're very creative, but also the chemistry of the band is great. I mean, they really like each other and they play really well with each other. On a aussi une pièce qui a été écrite pour des tubes de PVC qui sont accordés, qu'on tape sur le sol et qui créent à la fois des événements rythmiques très, très forts et aussi des événements mélodiques puisque chacun de ces tubes est accordé sur le principe de la gamme chromatique. En fait, nous, on est là pour fabriquer un objet comme celui-là, comme cela plutôt. On est arrivé dans ce lieu extraordinaire qui est donc la fabrique, qui est un lieu à la fois qui me fait penser à un lieu de retraite où on pourrait avoir envie de vivre dans le silence et la beauté de la nature. Et j'avais envie qu'on soit en vase clos comme ça pendant tout le temps de création, qu'on puisse pas rentrer à la maison, qu'on ne soit pas tenté d'être distrait par nos téléphones, nos mails, qui prennent trop de place parfois dans notre vie, et qu'on ait une vie communautaire comme ça, où on puisse, après avoir travaillé, s'asseoir autour d'une table et rester longtemps à discuter de
tout un tas de choses, à faire de la musique qui soit pas forcément celle qu'on va enregistrer, etc. Enfin, qu'il se passe des choses. Là, j'avais envie en fait que la star du show, ce soit l'orchestre. Donc c'est un peu un moment clé pour nous, c'est-à-dire c'est un moment où cet orchestre devient un vrai groupe et où on vit des choses forcément qui sont extérieures à la musique mais qui nous ramènent toujours à la musique et à cette espèce de rapport communautaire et à savoir comment on peut faire en sorte que 10 cordes différentes forment un accord finalement. Ce que j'ai envie de faire avec ce projet-là, c'est à la fois un spectacle très visuel, très, très fort et très, qui soit un peu enivrant comme ça, qui vous emmène dans un autre monde. Quelque chose qui brise un peu les frontières du jazz, même si il y a des références au jazz qui sont permanentes, mais où on se dit pas, tiens, c'est tel type de jazz. Voilà, et le disque, c'est la même chose, c'est une chose qu'il faut écouter sans préjugés et peut-être que ça va donner une sorte de fraîcheur aux gens qui l'écoutent. Asseyez-vous, écoutez-le. Et voyager, ça devrait bien se passer. B. Oh. B.